Chapelle. Mademoiselle. Dis donc, Chapelle, tu t'es lâché, ouais. Ouais, dis donc, t'as vu, c'est pas le Chapelle plan vert là, qui décorait la banque, hein. C'est clair. Si t'as des copines comme mademoiselle à nous présenter, tu peux, hein, parce que nous, on a une de ces patates, ouais, là. On a la patate, nous, hein. Hey, c'est quoi votre truc? Vous reconnaissez les gens que vous connaissez pas, c'est ça? Attends, qu'est-ce que tu nous fais, là? Tu te la pètes parce que t'es avec ta copine, c'est ça? Et vous, les deux connards, vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Ace. C'est clair? Allez, maintenant, vous dégagez, je suis un fou, moi, hein. Philippe Giraud, mon attaché de cabinet. Monsieur, bonjour. Vous êtes fait des ennemis sur la côte. Mais qui n'a pas d'ennemis, monsieur Raspberry? Vous allez quand même pas faire réélire cette salope qui... Attention, Yann. Vous voyez le type au cheveu long? C'est un frère Fargette. Tous les autres, ce sont ses colleurs d'affiche. Rien que des petits truands qui tiennent les boîtes de nuit du clan Fargette. Le message qu'ils font passer est clair. Tu soutiens Circia ou tu vas avoir de gros ennuis. On a retrouvé une grenade à l'intérieur. Elle n'a pas complètement explosé, elle devait être défectueuse. Une chance. Une liste fantôme, oui. On n'a même pas un début de financement. On s'en fiche. Et débrouillez-vous pour qu'on ait l'air d'être déjà nombreux, mais sans avoir à citer de nom. Bon courage, Philippe. Je veux pas de policier. Le préfet a refusé notre demande. On est tous seuls à assurer le service d'ordre. C'est eux qui m'ont menacé à l'aéroport. Le retard est arrivé, je peux l'annoncer. Il s'excuse, il est coincé à Paris. Et Courton. Pareil. Contre son propre corps. Vous pouvez me dire sur ce corbeau? Il s'agit d'une écriture naturelle, spontanée, de quelqu'un qui ne cherche pas à se déguiser. Voyez, ici, on n'observe aucun micro-tremblement. Mais encore. C'est quelqu'un de très structuré, très appliqué, et qui ne laisse rien au hasard. La ligne est très régulière, posée, presque désuète. Un homme, une femme? Difficile à dire. La rondeur des lettres laisse à penser que c'est un individu assez jeune, je dirais entre 20 et 40 ans. Ça représente la moitié de la population des Bouches-du-Rhône. Ah oui, une dernière chose aussi. La personne qui a écrit ces lignes connaissait parfaitement le texte. Elle le connaissait par cœur. Elle l'écrit d'une traite, sans rupture. Quant à la personne qui écrit l'autre texte, c'est de toute évidence quelqu'un de très généreux. C'est absolument authentique. La datation de l'encre est formelle. Elle a été écrite il y a environ 50 ans. Vous êtes sûr qu'il s'agit de la même écriture que sur le message? Absolument. Un faussaire, même le plus doué, laisse toujours sa signature, qu'il le veuille ou non. Il est certain, 100%, que c'est la même main qui écrit la lettre et les messages. Ça voudrait dire que cet homme aurait aujourd'hui entre 70 et 80 ans? C'est pas ça le problème. Alors où est le problème? Ces messages sont écrits aujourd'hui. La lettre, il y a 50 ans. Or, en 50 ans, l'écriture d'un homme change, évolue. Prenons l'exemple du mot « mort ». Cette écriture aujourd'hui est strictement, et je dis bien strictement, la même qu'il y a 50 ans. Comme si l'homme qui écrit ces messages n'avait pas vécu pendant 50 ans. Salut. Ça va? Ouais. 556 NATO. Des petits points artillés à l'arme de guerre. Pas loin d'une centaine d'impacts. Commando paramilitaire. Et vous allez voir le plus beau. Des coupes nettes. On s'en sert dans les forces spéciales. Des blindex. Ça se présente un peu sous la forme d'une cornière en alu, ça se plie, ça se tord, pour lui donner la forme qu'on veut. Un simple détonateur, et voilà. Les voyeurs, ils sont où? Ils tuent, évacués par le SAMU. Et on a des témoins, non? Aucun témoin digne de ce nom. Les types étaient déguisés en flics, monospace, tenu d'intervention, cagoule, etc. Ouais, des faux poulets, quoi. La récolte a été abondante. C'est fou ce qu'on peut retrouver quand on cherche bien. Bon, vous en attendez quoi? Ouais, si on arrive à établir que le 4x4 de Larieux se trouvait là à un moment donné ou à un autre, ça donne matière à garde à vue. Je peux pas vous faire de fausses promesses, mais si ça se trouve, on peut même donner une indication de temps. La période à laquelle se trouvait sur place. Salut. Le type est volant quand le bahut a cramé. Charge explosive qui a provoqué l'incendie a déclenché le mécanisme de l'airbag. Bizarrement, le plastique du coup protégeait la face. Il reste un morceau de mandibule supérieur et quelques dents. Cherche ADN possible, si la pulpe dentaire n'est pas trop endommagée. Ouais. Ils ont voulu tout effacer, ils ont pas tout effacé, c'est ça? Ça en a tout l'air. Je suis dans la merde, jusqu'au cou. Rassurez-vous, maintenant je suis là. Et cette merde, comme vous dites, il s'agit de Ravi. Bien. Sur ce coup, je suis vraiment coupable, et pas qu'un peu.
J'ai fait une énorme connerie, voilà. Ah ben, il y a parfois des conneries qu'on a besoin de faire. Et il arrive souvent que ce soit les dossiers les plus intéressants à plaider, d'ailleurs. Pas là. Ce sera douloureux et laborieux. Pour obtenir une somme d'argent qui me manquait, j'ai laissé entreposer des déchets toxiques sur un terrain de ravis. Les fûts sont ouverts et ont contaminé la nappe phréatique. Des gens ont été intoxiqués. Qui ça ? Vous avez lu la presse, comme tout le monde. Il s'agit de ces enfants dont l'un est mort par empoisonnement au cadmium. J'ai fait enlever les fûts, mais évidemment, il reste des déchets de cadmium infiltrés à l'endroit où on les avait entreposés. C'est une affaire d'homicide. Involontaire. D'homicide involontaire. Et qui est au courant ? Enfin, je veux dire, à part vous et les personnes qui ont entreposé ces déchets chez vous ? Mon frère. Il l'a découvert en fouinant avec une journaliste. Elle s'appelle Chloé Valette. Ça vous dit quelque chose ? Vaguement. Il m'a dans le collimateur depuis longtemps. Je sais pas ce qu'ils manigancent tous les deux, mais à mon avis, ils vont pas me rater. Excusez-moi d'arriver comme ça. Qui est-ce qui ne va pas te rater, mon amour ? Non, rien à personne. Des journaleux qui cherchent des failles dans mes constructions, voilà. Pierre. Il y a si longtemps. Bonjour, Kika. Que nouveau cette visite ? On avait fini, là, justement. Pierre, je vous retiens pas plus longtemps. Clément ? Oui, désolé, Kika, je dois filer. Bonjour, Kika. Je vous remercie d'être venu, maître. Pour tout vous avouer, cela ne me plaît pas beaucoup. J'ai besoin de savoir ce qui arrive à mon mari. Il ne mange plus, il ne dort plus. Je m'en doute. Je suis soulagée que vous me compreniez. Mais cela ne veut pas dire que je vais vous renseigner, Kika. Bon, je peux vous confirmer que les problèmes de votre mari sont liés à la contamination du site Ravi par des déchets toxiques. Merci, mais ça, je m'en doute. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il risque. Quelle est sa responsabilité dans le dossier ? Cela relève du pénal, je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce qu'on va perdre la maison ? Je pensais que vous vouliez plutôt savoir s'il risquait la prison. Évidemment que je veux le savoir. Bah, désolé, je ne peux pas vous répondre non plus. Je dois aussi savoir si Yann, le frère de Clément, apparaît dans le dossier. Écoutez, Kika, je vous ai dit tout ce que je pouvais. De toute façon, je ne vais pas prendre ce dossier. Pardon ? Oui, le cabinet américain avec lequel je suis associé s'oppose à ce que je défende un pollueur. Vous n'allez pas laisser tomber mon mari ? Je crois que vous avez suffisamment d'arguments pour lui trouver un autre avocat. Vous n'allez pas laisser tomber votre client, maître Rossi ? Ne me dites pas que vous n'êtes qu'un sale profiteur ! Espèce de lâche ! Ça attaque les chevaux, les chiens, les chats, ils se chopent une encéphalite et après on peut pas faire grand chose. C'est dangereux pour l'homme ? En fait, l'homme peut contracter le virus, mais en général on s'en sort plutôt bien. Enfin, mieux que les animaux en tout cas. Il l'attrape comment ? Par les moustiques. En fait, le système est simple. Le moustique pompe le sang des oiseaux migrateurs infectés, ensuite pique un autre animal en lui refilant le virus. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus fréquent avec le réchauffement du climat. Il s'est installé ici pour de bon, et quand je dis ici, c'est aussi en Camargue et dans le sud, et dans toutes les régions de France, bien sûr. Ils ont le même problème aux États-Unis. Avant, le froid réussissait à le tuer, maintenant, il y a plus en plus de cas comme ça. S'il vous plaît, madame, un petit peu de calme. C'est déjà assez compliqué comme ça. Compliqué, de la faute à qui ? Est-ce qu'on vous a appelé, nous ? Oui, lieutenant Langot, là. Passez-moi le cabinet du préfet, s'il vous plaît. On va juste prendre vos identités et après vous pourrez rentrer chez vous. La Sanipi ne veut pas porter plainte. Qui c'est le président de l'association ? Et voilà ! Oh, mais je suis vraiment désolé, monsieur. Merde ! Faites de la flotte ! Grouillez-vous ! Faites de l'eau, madame. Cantine ! Devant tout le monde. Bon, vous avez bien une chambre de libre, non ? Une chambre ? Oui, une chambre. Oui, une chambre, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec eux, là ? Ah, ça dépend d'eux. Désolé, monsieur le maire. J'ai l'ordre de passer à l'offensive. Qu'est-ce que tu fous là, Étienne ? J'ai des ordres du préfet. Si vous dégagez pas le passage, je fais intervenir les gars. Mais foutez le camp ! Foutez ! Allez, sors de là, toi. On fait comme si j'avais rien vu, d'accord ?